Bismillah, salam alaikum wa ta'ala Alors, la publication de cette recette n'a rien à voir avec la vidéo spéciale, Inch'Allah, qu'on va publier ici, ne parlant que des bienfaits et des secrets de Ayat al le verset du trône, Inch'Allah, ta'ala. Normalement, cette vidéo devait être publiée aujourd'hui, jeudi à 21h. Mais vu les imprévus et beaucoup de notions qu'on doit augmenter sur le document qu'on doit publier ici, dans la, la publication est reportée dans une semaine. Alors, pour les gens, les gens qui souffrent de sorcellerie, que ce soit sorcellerie mangée, sorcellerie enterrée, etc. Inch'Allah, ou bien vous voulez vous défendre de n'importe quel type de sorcellerie. Aussi puissante soit le type de sorcellerie, voici une recette. Donc c'est une recette de Aetel Kursu, le verset du trône. Vous devez l'écrire 70 fois. Voilà. Si vous pouvez avoir des épines provenant de n'importe quel type d'arbre, prenez-en 70 épines. Si vous ne pouvez pas avoir... Les 70 épines, cherchez alors des aigus. Les aigus euh, qui servent à coudre des moubous, etc. Essayez d'avoir 70 aigus. Vous devez bu bouillir de l'eau avec les aigus et les 70 le kursu que vous devez écrire. Jusqu'à évolution, Inch'Allah, temps là, et vous le laissez refroidir. Puis les lavez pour cette jours. Donc c'est pour 7 jours. Chaque jour, vous vous lavez une seule fois. Choisissez l'heure à laquelle vous devez vous laver. Chaque jour, vous vous lavez une seule fois jusqu'à la fin de 7 jours. Ça enlève tout type de sorcellerie. Inshallah, cela alaikum.